à Kharkov, il existe un monastère qui est le monastère de l'intercession de la Mère de Dieu. Il a été fondé au XVIIe siècle et ça a été, dès ce moment-là, un lieu de formation et un lieu de prière pour les moines et pour beaucoup d'étudiants qui venaient des quatre coins de l'Est de la Russie. Alors aujourd'hui, les temps ont changé, bien sûr, mais ça reste un lieu très important de formation pour les étudiants et pour les moines qui donc sont dans le collège orthodoxe de la ville. Donc c'est un lieu qui est aussi très important pour nous et pour notre histoire parce que derrière les pupitres et dans ce qui correspond au cœur de l'église de ce monastère, eh bien c'est là qu'est née la vocation, la voie spirituelle d'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Ce compositeur s'appelle Maxime Kovalevski. Ça aurait été un compositeur de musique classique absolument brillant, mais il a préféré avoir un investissement utile pour l'Église, et ceci a des origines dans sa propre famille, dans son histoire d'enfance. Il y a 100 ans, les événements qui se passaient et qui ont ébranlé la société russe, tsariste, ont été si extraordinaires qu'ils ont entraîné une migration mondiale de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ce mouvement aura une signification profonde dans l'œuvre de Maxime Kovalevski qui s'inscrit dans ces conditions historiques. Donc en 1917, l'ordre habituel de la vie va être totalement bouleversé. La révolution donc envahit tout le pays. Les Kovalevski, c'est une famille noble, aisée, qui vit à Saint-Pétersbourg. Le père, la mère et les trois frères, les trois enfants, donc Maxime, Eugraphe et Pierre, ils ont évidemment crainte des persécutions des bolcheviks et donc ils se disent que la seule façon pour eux de se protéger, c'est d'aller à Kharkov, donc en Ukraine, qui est beaucoup plus à l'est et où ils ont leur terre familiale. Et en fait, la mère donc, des trois jeunes garçons, qui est donc universitaire et historienne, est très soucieuse de leur donner une formation adaptée. Et donc, elle va faire en sorte qu'ils puissent participer, grâce au séminaire du monastère, à des enseignements d'histoire de la musique et d'histoire de la liturgie, grâce notamment à l'intercession en fait, de leur oncle, donc le métropolite Antoine Krapovitsky, qui est à Kharkov. Et parallèlement, ils suivent quotidiennement les offices, donc la liturgie, et donc c'est aussi une initiation directe à la célébration liturgique. Va avoir un impact déterminant dans l'esprit et le cœur de Maxime, qui découvre finalement un autre environnement dans cette petite ville, qui contraste énormément avec la vie qu'il a menée jusqu'à présent avec sa famille à Saint-Pétersbourg, qui est une grande capitale culturelle et assez mondaine. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'éveille dans son esprit, il prend conscience de sa foi, et avec ses frères, ils se rendent compte qu'en réalité, ce qui est déterminant pour eux, c'est la foi orthodoxe, c'est le service de Dieu. Ils ont pris conscience, à travers tous ces bouleversements sociaux auxquels ils ont capté une ou deux choses, comme jeunes, c'était des adolescents, ils font cette expérience que la réalité de l'Église du Christ, comme on pouvait la vivre dans un monastère, c'était la seule chose solide. C'est la seule chose pourquoi on pouvait donner sa vie.